Lutte contre les trafics de ressources naturelles. Les actions ont porté leurs fruits. La collaboration de l'ensemble des acteurs concernés, la police nationale, la gendarmerie nationale, la défense nationale, la douane et le ministère de l'Environnement, de l'écologie et des forêts, pour lutter contre les trafics illicites de nos ressources nationales, a porté ses fruits. En témoignent les saisies de plusieurs ressources ces derniers temps. La dernière en date concerne la saisie de 26 bébés tortues, radiata, effectuée par les éléments de la gendarmerie nationale à l'aéroport d'Iva dans la nuit de mardi dernier. Selon les explications du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Dr Daïma Nanzara Juanita, ces trafiquants encourent des sanctions sévères pour faire preuve de sévérité et dissuader d'autres malfaiteurs dans le domaine. Notant que les trafiquants ne cessent de trouver des moyens afin d'atteindre leurs objectifs. Toutefois, les responsables concernés pour la protection de l'environnement, les forces de l'ordre, les sociétés civiles ont fait de même pour les attraper. Le ministre en charge de l'environnement, ainsi tout un chacun, a œuvré pour la protection de ces ressources dont la plupart sont endémiques.